Bonjour et bienvenue à la cérémonie virtuelle de remise de prix de l'Expo Science du Collège catholique Samuel-Joseph version 2021. Chaque année, les élèves du programme d'enrichissement doivent compléter un projet de foire scientifique selon un des thèmes suivants, soit la découverte, l'énergie, l'environnement, les ressources, la santé, un projet d'innovation ou d'information. Ce projet peut être un projet de recherche, une expérimentation ou une innovation. Cette année, plus que 35 projets ont été présentés devant un panel de 70 juges qui ont évalué les projets la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les grands gagnants du projet qui iront nous représenter à l'Expo Science régionale d'Ottawa. Sans plus tarder, nous allons commencer avec un mot de nos juges afin de connaître leur impression des projets et leur coup de cœur. Salut les Lazares, j'ai regardé vos projets et puis je suis impressionnée. Vous avez choisi une question intéressante, vous avez fait des belles recherches et puis je pense que vous avez beaucoup appris dans tout ce processus-là. Donc, chapeau, on est fiers de vous. Et mon coup de cœur, moi, ça a été pour les gars qui ont fait la Zamboni de rêve. Donc, vraiment, j'étais impressionnée par la rigueur du travail. Donc, la méthodologie était super claire. Et aussi, avec votre humilité, vous avez vraiment bien mis tous les inconvénients, les obstacles que vous avez dû faire face. C'est incroyable avec la COVID. Donc, vraiment, vous n'avez jamais baissé les bras et vous avez trouvé des solutions alternatives. Donc, vraiment, les gars, bon travail. Je suis vraiment impressionnée. Bonne chance! J'ai beaucoup aimé toutes les présentations. Les sujets étaient super originaux et très intéressants. Et ça paraît vraiment que tous les élèves ont mis beaucoup d'efforts dans leur projet. Alors, good job, guys! Bonjour, je suis Karen Kilinda. Alors, j'étais l'une des juges et j'aimerais juste remercier tous les élèves qui ont participé à cet exposé. C'était un exposé très bien et réussi parce que les élèves se sont impliqués fortement dans leur travail et on y remarquait aussi qu'il y avait une grande recherche. Donc, merci beaucoup les élèves. Vous devez continuer sur cette voie. Encore une fois, merci pour votre exposé. C'était beau à voir et surtout, on voyait qu'il y avait de l'effort. Merci. Bonjour. Un des coups de cœur que j'ai eu en regardant l'Expo Science était le projet sur l'école du bien-être. Donc, en tant qu'enseignant, j'ai l'idée de penser au bien-être des gens à l'école, dans la conception d'une nouvelle école. C'était vraiment intéressant aussi de voir les modèles en 3D. Je peux vous dire que tous les projets que j'ai vus ont fait preuve de beaucoup de créativité, mais sont surtout le résultat de travail acharné et de beaucoup de passion. Mes deux projets coup de cœur ont été le projet d'Evan et de Wallace à propos de l'effet de l'engrais sur les plantes et le projet de Sarah et Deborah à propos de l'impact de la musique sur les animaux. Cependant, j'ai appris beaucoup de chacun des projets que j'ai vus. Vous devriez tous être très fiers de vous. Je vous souhaite à chacun et à chacune beaucoup de succès lors de la foire scientifique. C'est maintenant le temps de nommer le coup de cœur du public. Donc, la semaine passée, les élèves de l'école, les enseignants, amis et familles ont pu aussi visionner les projets des élèves et voter pour leur coup de cœur. Avec près de un tiers des votes reçus, il m'a fait plaisir de vous présenter le projet gagnant coup de cœur du public. Donc, le coup de cœur du public est le projet. Quand vous avez soif, aimez-vous prendre une boisson gazeuse? Pensez-y deux fois, car après avoir écouté cette vidéo, vous allez probablement changer d'avis. En premier, les boissons gazeuses contiennent beaucoup de sucre et d'acide. Sur vos dents, vous avez un film collant de bactéries qui s'appelle plaque. Après une collation ou un repas plein de sucre ou de glucides simples, les bactéries s'en nourrissent et libèrent des acides qui attaquent les mailles des dents, ce qui peut causer la destruction des dents, des caries, l'érosion dentaire, l'hypersensibilité et beaucoup plus d'autres malaises pour votre santé bucco-dentaire. De plus, ces boissons affaiblissent vos dents, les fragilisent, les colorent, vos dents peuvent même se désintégrer graduellement. Vous vous dites probablement, je pourrais juste me brosser les dents et voilà, pas de dommages causés, mais non. Le docteur Lecor conseille, il est préférable de ne pas brosser les dents juste après avoir bu une boisson gazeuse, car l'émail, déjà fragilisé par l'acidité, peut s'abîmer encore plus. Il est préférable de se rincer la bouche avec de l'eau claire et d'attendre une heure avant de se brosser les dents pour que l'acidité soit un peu redescendue.
Donc, la prochaine fois, pensez avant d'agir, spécialement quand ça vient aux boissons gazeuses. Je dois admettre que je ne savais pas que ce n'était pas une bonne idée de brosser mes dents immédiatement après avoir consommé une boisson carbonisée. Merci les élèves pour cette information importante. Il est maintenant le temps d'annoncer nos projets finalistes au niveau intermédiaire qui iront nous représenter à l'Expo Sciences de l'Université Carleton en mode virtuel. Donc, sans plus tarder, voici nos 4 projets finalistes. Pour la première fois de la maison, j'ai le privilège d'annoncer le prochain projet qui va nous représenter le Collège catholique Samuel Genet à la foire régionale. Je m'en vais chercher un indice. Oui. Bon. Ouh, c'est froid. Indice, projet numéro 16. Félicitations, Clara! Woohoo! Allô, je m'appelle Clara. Le titre de mon projet est « Est-ce que la température d'une batterie peut varier le résultat de son effet? » La vie d'une batterie AA est d'environ 3 à 5 ans. Sa température normale est entre 10 et 30 degrés Celsius. La compagnie la plus proche pour les petites batteries est Panasonic, avec ses compétiteurs les plus proches, dont Duracell et Energizer. Vous avez-vous déjà questionné à savoir si une vieille batterie oubliée dans le fond d'un tiroir ou même sous le divan du sous-sol marche encore? Fait-il trop froid ou même trop chaud pour que les batteries soient affectées? Ou y a-t-il aucun changement qui s'est fait porter? Au cours de ces expériences, je vais pouvoir déterminer si oui ou non la température ou la condition des pièces affecte vraiment le fonctionnement des batteries. Pourquoi j'ai choisi de faire ce projet? J'étais curieuse de savoir si une batterie AA allait encore fonctionner après être placée dans une chambre froide pour une période de temps comparée à sa température normale. Le but derrière ce projet est de déterminer si oui ou non la température des différentes circonstances affecte vraiment les batteries ou s'il n'y a aucun changement. Peut-être qu'elle est même plus efficace. Avec ceci, j'espère que vous êtes intéressé avec mon projet et vous voudriez en entendre plus. Bye, à la prochaine! La prochaine équipe finaliste qui ira nous représenter à l'Expo Sciences régionale est celle de l'équipe du bien-être. Bonjour, je m'appelle Isabelle Dumet, je suis une élève en 8e année au Collège catholique Samuel Genet. Et moi, je suis Zachary Segus, élève de la 8e année au Collège catholique Samuel Genet. Pour notre projet, nous avons décidé de faire un plan d'école qui donnera des bénéfices à la santé mentale des élèves. À l'aide du logiciel Tinkercad, nous avons pu faire ce plan en 3 dimensions et implémenter plein d'éléments qui seront bénéfiques au bien-être des élèves. Nous avons décidé de faire un plan avec le logiciel Tinkercad qui représente l'école qui favorisera le bien-être des élèves. La première chose que nous voulions absolument, c'est plus de lumière, car la lumière augmente la production d'une hormone nommée la sérotonine. Alors, la sérotonine, ce que ça fait, c'est que ça augmente la concentration, ça augmente ton niveau d'énergie et ça améliore ton humeur. Déjà comme ça, nous avons une grande augmentation de la qualité de la vie scolaire. Mais ça s'applique à la lumière en général. La lumière naturelle a encore plus de bénéfices. Le premier, c'est la vitamine D. La vitamine D, ce que ça peut faire, c'est que ça diminue la chance de certains cancers ainsi que les maladies cardiovasculaires. Ensuite, ça peut diminuer les chances de la dépression saisonnière. Pour certaines personnes, certaines périodes de l'année sont plus décourageantes que d'autres. Une exposition fréquente à la lumière naturelle peut aider à contrarier ces dépressions, surtout si c'est en rapport avec les mois hivernaux. De plus,
la meilleure santé mentale qu'amènent tous ces éléments peuvent donner plus de sommeil qui, en retour, augmente la santé mentale encore plus. Le premier aspect de cette nouvelle école est qu'il y a seulement un étage. Ceci nous permettra de mettre des fenêtres sur les plafonds et sur les murs pour augmenter les niveaux de luminosité dans les classes. La deuxième chose, c'est que toutes les lumières artificielles dans l'école sont des lumières à intensité graduelle pour qu'on puisse contrôler le montant de lumière et d'énergie utilisée par rapport à la lumière naturelle qui est déjà utilisée. La dernière chose, c'est qu'on a mis notre gymnase souterrain. Comme ça, l'école est quand même une certaine allure. Alors, ici, nous pouvons voir le plan de l'école de vue de devant. Il y a deux portes en avant qui nous permettent de rentrer dans l'école. Alors, si on regarde du haut, l'édifice ici, c'est tous les bureaux, l'administration, tout ce qui n'est pas des salles de classe ou des salles d'enseignement. Ensuite, on a deux côtés qui ont des salles de classe et qui englobent un peu la cour d'école. Alors, on peut voir les fenêtres sur les murs et sur le plafond qui a une forme triangulaire pour favoriser la solidité. Et à chaque extrémité des côtés de l'édifice et sur l'édifice principal, il y a des portes qui mènent à la cour d'école. Ensuite, si on va en dessous ici, il y a des escaliers qui descendent jusqu'au gymnase qui est en dessous de l'école. Donc, je vais vous montrer notre plan de classe dans les écoles. Donc, dans les classes, c'est juste un modèle, donc ils vont pas tout avoir des chaises toutes droites, puis ça va pas être comme une prison. Donc, voici les fenêtres, comme vous pouvez voir, qui donnent la lumière dans la classe, puis il y a beaucoup de chaises, mais les enseignants peuvent organiser leur classe comme ils veulent, ajouter beaucoup de choses. Et dans la majorité des classes, il va y avoir beaucoup de plantes, puisque les plantes aident la concentration et puis le calme. Et vous pouvez ajouter n'importe quoi que vous voulez comme enseignant dans votre classe. Donc, voici le modèle de la classe. Pour notre plan de cours relié à la météo, on a posé des questions aux élèves et on a fait de la recherche en ligne pour trouver des options qui pourraient améliorer les cours en lien avec la météo. En septième année pour la Foire scientifique édition 2021, une des équipes finalistes est... Système de pompage solaire à budget minimum. C'est pourquoi nous avons eu l'idée d'un système de filtration par pompe souterrain à la recherche de sources d'eau. Cette pompe d'eau est alimentée par des panneaux solaires pour créer de l'énergie renouvelable et c'est aussi fait le moins cher possible. Ce projet utilise de l'énergie renouvelable pour deux raisons principales. L'électricité est renouvelable, donc elle ne pollue pas l'environnement. Deux, la plupart de ces zones n'ont même pas accès à l'électricité. De plus, cette eau est filtrée car les sources souterraines peuvent être contaminées par des maladies comme le choléra. Système de pompage solaire à budget minimum. Donc, on a notre panneau solaire représenté par cette prise électrique, notre câble électrique qui va rejoindre notre pompe par-dessus terre, connecté à un réservoir d'eau souterraine. Donc là, on a notre tuyau représenté par cette plateforme de bois. Puis après ça, on a notre salle avec notre filtre où qui peut facilement rechanger par une porte. Donc là, on a la pompe qui va pomper de l'eau souterraine, apportée à la surface, la monter par ce tuyau ici. Puis là, elle va l'apporter à travers de la chambre de filtre jusqu'au tuyau qui peut être facilement accessible au réservoir
placés à côté ou dans le village pour que les villageois peuvent l'utiliser. Donc, la prochaine équipe finaliste qui ira nous représenter à l'Expo Sciences régionale est celle qui a conçu une application qui m'aurait souvent aidé en tant que parent avec mes enfants qui ont des besoins. Donc, il s'agit du projet... Une application pour vous aider la vie, Pooner You, par Aiden Ego et Orlando Robinson. Avez-vous ou vos enfants déjà eu envie d'aller aux toilettes quand vous étiez dans la voiture ou vous marchiez dans la rue sans savoir où aller pour une salle de bain? Si oui, nous avons la solution à vos problèmes. Notre idée principale et notre objectif est de créer une application pour faciliter les gens de tous les jours. Pour ce projet, nous sommes basés pour aider les parents de tous les jours, mais surtout les parents avec des jeunes enfants. Le simulateur qu'on utilise pour montrer, c'est un iPhone 12 Pro Max. Donc, ça veut dire que ça fonctionne même sur les plus nouveaux téléphones qui existent. Donc, c'est facile. OK, on peut voir ici. Maintenant, ça montre. On peut aussi ajuster le zoom dans le code. Ici, voilà. Ça montre. Attends, ça doit juste load. Donne-lui une minute. Et voilà. Maintenant, tu peux zoomer un petit peu en cliquant deux fois. Si tu cliques sur le bouton rouge, tu peux voir, ça dit You. Si tu cliques ici, ça dit Lahib. Ici, ça dit le McDo. Et puis, juste là. Si tu cliques juste là, ça montre East St. Mary's. Et c'est maintenant le temps d'annoncer nos top 3 projets en 7e année et en 8e année qui iront eux autres aussi nous représenter à l'Expo Sciences régionale d'Ottawa. Bonne chance à tous les élèves, vous avez de quoi être fiers. En 7e année, la 3e place va au... Bonjour, je suis Patrick. Et moi, Kieran. Cette année, nous avons décidé de concevoir un prototype 2D et 3D de la VS21, Veste solaire 2021. Une veste équipée de panneaux photovoltaïques qui ont la capacité de recharger un téléphone cellulaire grâce à l'énergie solaire. La VS21, Veste solaire 2021, est un accessoire électronique équipé de panneaux solaires photovoltaïques qui absorbe les photons du soleil et les transforme en énergie, qui est donc transporté à une batterie portable de 5000 mAh. mAh signifie la réserve d'énergie sur une batterie. La base est une veste sans manches, triée pour pouvoir être portée par-dessus un autre manteau si désiré. Le prototype sera fait de nylon et polyester, car ces matériaux sont imperméables et souples, ainsi que du caoutchouc qui sert comme isolant pour les fils électriques pour ne pas nuire à l'utilisateur. Et en 3e place, nous avons... Si vous buvez une boisson gazeuse avec une paille, ça aurait moins d'effet que si vous la buvez sans paille, parce qu'avec la paille, l'acidité du breuvage ne se dissémine pas dans toute votre bouche, contrairement à quand vous la buvez sans paille. Pour conclure ce projet, nous vous recommandons d'essayer le plus possible de ne pas boire ou au moins diminuer le montant que vous buvez de ces boissons. Nous avons beaucoup appris sur le sujet des dents et que nous devons et ce que nous devons et ce que nous ne devons pas consommer pour garder notre santé bucco-dentaire. Donc, nous espérons que notre projet vous a aidé à réaliser de limiter votre consommation de boissons carbonisées et que vous avez appris de nouvelles choses à propos de votre santé dentaire. Alors, on va conclure qu'après ce projet, les boissons carbonisées sont mauvaises pour vos dents et elles vont décolorer vos dents, affaiblir ou encore pire, complètement détruire votre émail. Un dernier fait intéressant, saviez-vous que les boissons peuvent gruger en dessous de vos gencives qui laissent toutes les bactéries atteindre vos dents?
Alors, que pensez-vous? Est-ce que les boissons sont pires pour les gencives, les dents ou juste votre santé entière? En septième année, la deuxième place est attribuée au projet. La façon la plus efficace de pousser des plantes, par Théo Webb. Voici mon rapport de laboratoire. J'ai fait une expérience pour trouver la façon la plus efficace de pousser des plantes dans des mini-serres. J'ai utilisé des différents types de lumière et différents montants d'eau. Voici ma configuration et voici quelques plantes à la fin de mon expérience. Je pousserai des plantes de différentes façons avec de différentes températures et de la lumière artificielle et naturelle. Je vais aussi faire cette expérience dans ma chambre à coucher pour découvrir si tu peux pousser des plantes efficacement dans des petits pots de plantes sans d'or. Je placerai deux serres aux deux coins de ma chambre. La première va contenir trois pots de tourbe avec quatre différentes plantes dans chacune. 3 ml d'eau dans un, 5 ml dans l'autre et 7 dans le dernier. Les plantes que j'utiliserai sont de la menthe, de l'aneth, de la ciboulette et du persil. J'ai trouvé beaucoup de problèmes et succès au cours de mon expérience, mais je trouve que les deux serres se sont toujours opposées les uns aux autres. Par exemple, on peut voir que lorsque les plantes poussaient, la serre avec de la lumière naturelle avait presque un 30% de différence en humidité entre l'eau serre. La serre avec de la lumière artificielle avait une moyenne de 65%, lorsque celle avec la lumière naturelle avait une moyenne de 90%. Ceci a causé les plantes à commencer à moisir parce qu'ils avaient trop d'eau qui avait même tué deux des plantes. Puis, elles fabriquaient un petit bol d'eau à côté de la serre. Sur le côté de la température, les résultats étaient plus proches avec un 2 degrés Celsius de différence entre les deux. La lumière artificielle avait probablement une température plus élevée puisqu'ils avaient 3 heures de plus entourées de lumière et c'était toujours au pouvoir maximum pendant les jours. Contrairement à la serre avec la lumière naturelle, qui avait seulement 9 heures de soleil par jour, puis c'était jamais constant. Ensuite, par rapport à la hauteur des plantes, pour la serre avec la lumière naturelle, ils ont 3 plantes mortes, leur moyenne de taille est 7 cm, et leur plus grande plante est seulement 11,3 cm. Contrairement à la serre avec la lumière artificielle, qui n'ont pas de plantes mortes, leur moyenne de taille est 9,2 cm, et leur plus grosse plante était 15,1 cm. Donc, on voit que la serre avec la lumière artificielle a plus de succès puisqu'elle était plus contrôlée avec la lumière et l'eau, puis il n'y avait presque pas d'humidité, contrairement à l'autre serre. En huitième année, le prix de la deuxième position est décerné à l'équipe du projet Les bâtiments qui bougent. Bravo! En faisant ce projet, nous voulons étudier l'utilisation des bâtiments dynamiques comme nouvelle technologie qui peut offrir des avantages environnementaux et économiques. Le problème à régler est qu'opérer des grands édifices coûte cher et sont inefficaces. Le but est de réduire les coûts d'opération et on veut voir combien d'énergie cette technologie peut sauver. Nous pensons que cette technologie a du potentiel pour réduire les coûts de chauffage. Alors, nous allons étudier les bâtiments qui peuvent se déplacer à l'aide de roues ou de tapis roulants. On s'est inspiré de The Shed à New York par les architectes Diller Scorfido et Renfro. Ici, on peut voir une image de The Shed. Alors, maintenant que vous savez c'est quoi les édifices qui bougent, revenons à notre but et notre hypothèse. Alors, on pense que le fait que l'édifice bouge peut réduire le coût de chauffage et d'acclimatiser. Nous allons vous expliquer comment. Disons que l'édifice est comme The Shed à New York. Alors, si la partie de l'édifice qui bouge est bien isolée, on peut rentrer la carapace, ce qui diminue la superficie de l'édifice et son air total. Alors, il y a deux façons générales que l'édifice peut sauver de l'énergie. La première façon, qui est de changer le volume à l'aide de la carapace. Si la carapace est fermée la moitié du temps et le volume de l'édifice avec la carapace fermée est réduit de moitié comparé au volume avec la carapace ouverte, on peut calculer que le prix de chauffage et d'air climatisé est 75% du prix de l'édifice si elle est ouverte.
Ou la deuxième façon, en réduisant l'air total des murs et du toit, nous pouvons réduire la chaleur perdue. Alors, disons que notre édifice a un air total de 6200 mètres carrés lorsque la carapace est étendue et de 3200 mètres carrés lorsqu'elle est fermée. Et comme simplification, nous allons assumer que la carapace est élargie pour la moitié de l'année et que l'édifice est climatisé de la même façon tout le temps. Alors, en rétractant la carapace, l'édifice a 3000 mètres carrés de mur de moins que l'édifice élargi. En gardant l'édifice petit à la moitié du temps, on peut réduire la quantité de chaleur perdue. Comme on peut voir, l'édifice bouge à l'aide de tapis roulants en dessous de la terre. En septième année, la première place est attribuée au projet numéro? C'est le projet sur les découvertes dynamiques. La raison, c'est que bon, je pense qu'on a tous vécu des moments puis des rencontres virtuelles qui n'étaient pas très engageantes. On est pris à la maison, on ne fait pas grand-chose, puis à un moment donné, il n'y a pas grande nouvelle à se dire. Alors, j'ai vraiment apprécié ces stratégies-là puis la façon que le projet a été présenté pour engager un peu plus les parents ou les grands-parents, les gens avec qui on parle sur les rencontres virtuelles. Bien entendu, les défis de la pandémie sont multiples, mais ils sont encore plus marqués pour les membres de la population aînée. Puisque plusieurs membres de cette population ne sont pas très habiles en technologie, ils se retrouvent également isolés socialement. En début de pandémie, mes conversations avec mes grands-parents étaient unidirectionnelles et répétitives. Sans avoir de nouveaux intérêts ou de nouvelles expériences à partager, les thématiques de nos conversations étaient limitées aux défis de la pandémie. Ceci avait un effet marqué sur la morale et la santé mentale des aînés dans ma vie. Le but de mon projet est donc de transformer ces sentiments d'isolement et de dépression en soif d'apprentissage et de découverte. Mon projet propose des découvertes dynamiques. Ce sont des rencontres virtuelles où les participants visitent un lieu simultanément à l'aide d'une application de réalité virtuelle. C'est une activité amusante qui change les idées et qui ne requiert pas d'expérience technologique ou de matériaux dispendieux. Tout ce dont vous avez besoin est de deux appareils électroniques, un pour vous et un pour votre aîné. Ils n'ont pas besoin d'être les plus récents, juste d'avoir la capacité d'installer l'application gratuite Google Street View. De plus, les aînés devront utiliser un appel, préférablement à main libre, pour vous entendre. Les résultats sont remarquables. Depuis novembre dernier, je visite des lieux lointains avec ma grand-mère à chaque semaine. Nos conversations sont dynamiques et pertinentes. Nous discutons de souvenirs intéressants tout en s'amusant. Ce projet a restauré une partie de l'authenticité de nos rencontres en personne et a amélioré son intérêt pour la vie, tel que le démontre ce graphique. Et j'aime beaucoup ce qu'on fait ensemble parce que ça me change les idées et puis je vois tout ce que j'ai déjà vu en visite. Les visites virtuelles diminuent le risque de maladie mentale de ma grand-mère en lui donnant une activité positive à son calendrier qui lui permet un moment de répit du stress causé par la pandémie. Mon intention est de partager les réussites de mon projet avec le plus grand nombre de personnes possible. C'est pourquoi je vous invite à visiter mon blog public où vous trouverez des exemples de visites virtuelles, la démarche complète du projet, des vidéos explicatives et l'intégralité de mon rapport scientifique. Où voulez-vous visiter? L'imagerie virtuelle est disponible autant pour Paris, New York, Tokyo que pour la station spatiale. Laissez-vous emporter par votre imagination. Veillez-vous aux découvertes dynamiques afin de passer du temps de communication de qualité avec vos aînés isolés pendant la pandémie. Bonne découverte! Cher Lazare, je tiens à vous féliciter pour tous vos efforts en lien avec la foire scientifique cette année. Vos projets font preuve de créativité et d'innovation. Bravo!
pour le temps et les énergies que vous y avez consacrées. Un merci tout spécial à vos parents et vos enseignants qui vous ont appuyé dans ce processus. Et un gros merci à Mme Valérie Lauzon pour son grand leadership dans ce dossier. Il me fait maintenant grand plaisir de décerner le prix du projet gagnant à Luc et Tristan. Le prototype de Zamboni fait maison que vous avez construit avec le matériel que vous avez pu trouver est tout un exploit. Félicitations! J'ai aucun doute que vous pourrez un jour modifier votre prototype pour rendre de votre Zamboni de rêve une réalité. Je vous félicite d'avoir persévéré et modifié vos attentes envers votre prototype tout au long de votre projet. Vous avez démontré de la ténacité, une qualité recommandée pour tout scientifique. Bravo! C'est quoi un gros problème auquel vous pouvez penser? Pour nous, c'est un problème un peu plus particulier. C'est resurfacer la glace plus efficacement à la patinoire extérieure. Nous avons construit un prototype d'une Zamboni et nous l'avons testé pour observer les résultats. Voici une vidéo de notre Zamboni en action. Comme vous pouvez voir, la Zamboni a bien recouvert la glace avec de l'eau et l'a fait plus lisse. Nous pensons que nous pouvons l'améliorer dans les prochaines années. Merci pour votre attention. Au revoir. J'aimerais conclure cette cérémonie en félicitant tous les élèves pour leur beau projet. J'ai été grandement impressionnée par la qualité de vos vidéos. J'ai aussi bien apprécié les thèmes de vos projets et le sérieux que vous avez démontré tout au long de l'année envers ce projet. Vous avez de quoi être fier. J'ai bien hâte de voir ce que le futur réserve en vous. Vous êtes super. Je vous souhaite une belle journée et à plus tard, les Lazards. Au revoir.